pas rêver de dénicher son futur logement avant tout le monde. De trouver la perle rare. C'est l'expérience unique que vous propose à leur façon chaque semaine Bruno et Olivier. Des biens en totale exclusivité pour l'émission à acheter maintenant. En mars 845, une centaine de drakkars vikings remontent la Seine. En passant, ils débarquent à la pêcherie de Croissy. Les habitants furent pendus dans l'île ou crucifiés sur leur maison, le village pillé et détruit. Sympa, hein? Allez, on retrouve nos deux vikings du jour. Bonjour à tous et bonjour à toutes, on est dans Enquête d'Appart, l'émission des biens exclusifs sur BFM Business. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, moi je suis très content, on est à Croissy. Qu'est-ce que c'est Croissy? C'est un petit lopin de terre, avec de l'herbe, des petites fleurs jaunes comme ça, D'accord. qui est la particularité de Croissy. Et là on a la Seine. Oh là là. Donc ça j'aime bien. Ça, après, c'est bien. Moi ce qui m'intéresse c'est quand même de savoir comme ce qu'il dit le professeur de la science de Mérangeon. Eh ben, le professeur de la science il nous dit qu'on est dans une petite commune de 10 000 habitants, assez friquée, 60 000 euros de revenus quand même. Oula, oula. Et on a 40 ans. En moyenne. Ah oui, c'est bien. Mais alors, ça vieillit un petit peu, mais il y a quand même beaucoup de choses à faire et beaucoup d'activités pour les enfants. Ah ça c'est... Mais tu vas te régaler toi. Bah, tu sais pourquoi j'ai ça? Non. Parce que j'ai rendez-vous avec Véro, moi. Ah. J'ai sympathisé par téléphone, je pense qu'il y a une ouverture. Alors moi, j'ai rendez-vous avec les habitants. Je vais aller les... Allez, on y va. C'est parti. Et dis donc, Olivier, c'est qui cette Véro? Bref, ne bougez pas, dans quelques instants, vous découvrirez cette très belle maison familiale avec jardin où de nombreuses rénovations ont été faites. Tout cela aujourd'hui sous l'œil affûté de Sophie Steinacher, consultante officielle de l'émission. Croissy-sur-Seine, c'est une petite ville au port de Paris avec un cadre de vie unique, beaucoup de verdure, calme et à la fois une vie, un centre-ville très actif. Il y a le bus qui est au pied de la maison. C'est une banlieue à ses côtés et très recherchée des familles parce qu'on a vraiment ce cadre de vie unique. Et on a également le RER à 15 minutes qui permet de relier Paris en un quart d'heure. Banlieue recherchée, bord de Seine, familiale, ça sent le carton plein ton histoire. Bon là, il y a du lourd là. Hein. Allez les gars, à l'abordage de la ville et plus vite que ça. Oh salut, trop de la balle! Véronique Garnier, bonjour. Olivier, bonjour. Alors en l'absence du maire, c'est vous qui vous y collez. Oui, je suis un produit de remplacement. Alors aujourd'hui, on va commercialiser une maison dans votre jolie commune. Et bah, ce qui intéresse les téléspectateurs, c'est de savoir comment on y vit. Nous sommes au centre de Croissy-sur-Seine. Les gens sont sympas, souriants. Est-ce qu'il y a une vie de village? Les gens qui veulent se connaître, ils se connaissent. Comment on fait pour scolariser ses enfants sur Croissy? Il y a beaucoup d'écoles, comment ça marche? On a donc deux écoles maternelles, qui représentent à peu près 300 élèves, deux écoles élémentaires, près de 500 élèves, un collège à Croissy-sur-Seine, 500 élèves également, une vingtaine de classes, et puis on a le lycée Alain, qui est au Vésinet, donc la ville juste à côté. D'accord. Donc les enfants peuvent aller en vélo. Tu voulais parler des écoles? Les écoles, on a deux. Non, on veut pas. Non, non. C'est pourquoi? On a deux belles écoles. Non. On a un collège public qui est de bon niveau. Agnès, pardon. Odile, il m'a appelé le monsieur. S'il te plaît, je ne veux pas que ça court dans Croissy. Hein. Aujourd'hui, si vous avez avec votre bateau. Oui, vous savez, bah, notre bateau. Télé, on a tout ça, effectivement. Alors donc, on est donc avec Odile, qui veut nous parler des écoles. Ouais. Mais on n'a plus le temps. Je vais vous laisser. Vous pouvez venir accoster à Croissy-sur-Seine. Je vous emmènerai faire un petit tour de ski nautique, c'est promis. Véronique, attention, ne brûlons pas les étapes ensemble, s'il vous plaît. La rue principale? C'est ça, c'est les Champs-Élysées de Croissy. Ça s'appelle le boulevard Ostachy. Tout peut se faire à pied. À pied en fauteuil roulant. Ou en fauteuil roulant, ah, oui. C'est ça. Les commerces sont équipés? Oui. Les commerces sont équipés? Oui. Bon. On peut aller à Carrefour. Donc ça, c'est plutôt bien. Est-ce que tu kiffes habiter ici? Ah ouais. Les gens, ils sont très gentils, serviables. Franchement, on a besoin de quelque chose. Ils sont plutôt sympas. Dernière question, après je vous embête plus, il faut que j'aille retrouver Bruno qui est en train de foutre le bazar dans votre commune, moi je vous le dis. Quels sont les enjeux de la ville sur les 3-5 ans à venir? Les enjeux sur la ville, c'est de continuer à développer et attirer des jeunes ménages, parce que comme vous voyez, le prix de l'immobilier est quand même élevé. Donc les professions intermédiaires, les ouvriers, les personnes qui sont dans le service, on a besoin aussi que ces personnes trouvent de quoi acheter. On prend date. On prend rendez-vous, on reviendra vous voir. Eh bien, écoutez, avec vraiment grand plaisir. Merci en tout cas pour cet accueil. Et je ne serai pas déçu. Aujourd'hui, à Croissy, on voit une magnifique maison rénovée par un architecte. Pour moi, mon coup de cœur dans cette maison, c'est sa verrière. La cuisine, salle à manger, vue sur le jardin. Un beau jardin clos, sans vis-à-vis, et on a un vrai espace de détente ou de jeu pour les enfants. Le point à améliorer, ça serait la décoration un peu prononcée de l'architecte en termes d'un matériau qu'on retrouve un peu partout.
mais ce revêtement peut être changé facilement. C'est une maison qui peut vraiment plaire à beaucoup de personnes. Oui, Sophie, j'avais remarqué ton histoire de matériaux. En attendant, passons à la visite. Oh, dis donc, le trip d'architecte, j'adore. Puits de lumière, excellent. Hein. C'est super sympa. Mais qu'est-ce que c'est, ça? Mais c'est quoi, ça? C'est quoi ce concept-là? Oh, je ne sais pas. Ah bah oui, ça, il n'allait pas le louper, mes loulous. Hein. C'est que cette matière? Oh, bon sang. Oh, c'est de la... Oh, c'est de la... Oh, ça en est. C'est clouc. Ça y est, je l'ai. Oui. Et hop là. Et hop, toi, comme ça. Oh, d'accord. Non. Les enfants, pas de bataille de coussins dans le salon? Non. La bombe. Pause. Où se... Oh, il m'épuise, mais c'est pas possible. Waouh, la cuisine, ça claque. Tout ce que j'aime. Ah, voilà. Ah bah écoute. Là, c'est sympa. Ah. Et bah pour moi, ça, c'est la pièce maîtresse de la maison. C'est très sympa. C'est la rénovation. Ouais, partie rénovée. Écoute, tu sais combien ils ont mis de travaux ici? Non. C'était un taudis ici avant. Hein. 350 000 euros. Ah, quand même. Ah ouais, de réno, ça se voit. Bah dis donc. Ouais. C'est bien. C'est ça, ça fait partie de la rénovation, là, les... Alors, véranda en acier. Pas en alu, hein. En acier. Oh, le calme, la quiétude. Des arbres, des fleurs. Ah, oh, ça fait du bien. Et tu vois, là, on est très bien, là. Mmh. Mieux que bien. Mieux, ça serait un scandale. Ah ouais. Tu vois, quand on est à quelques kilomètres de Paris, comme ça, préservé, comme à la campagne, c'est vrai. L'envie de penser à l'écologie, à la préservation de la planète... C'est incroyable. Bah, ça, c'est bien. C'est... Ça. Attends, je te vois pas. Tu as raison. Justement, quand t'es dans un endroit comme ça, faut se sentir concerné. Les générations à venir, bon sang. La préservation de la planète, mais franchement. Et tous ces gens-là, là, à la télé maintenant, oui. La bienséance, je distribue les bons points, tout ça. Mais oui. À un moment donné, ça, moi, je vais dire, il y en a marre. Mais il faut aller bosser maintenant, là, parce que c'est pas le tout, mais... Allez, on va bosser, tiens. Encore une maison extraordinaire dans l'enquête d'appart, exclusive. Ouais. Quand on rentre dans cette maison, grande pièce de vie, super. Deux petites marches qui descendent, et la véranda... C'est génial. Et alors, moi, toi, c'est ça. C'est en fait, super. T'as deux lectures. Quand t'arrives dans ce truc, t'as une lecture, on va dire, horizontale, d'accord. Où tu vois jusqu'au jardin. C'est ça. Et tu te rappelles le petit effet, comme ça, tu lèves la tête, et là, t'as une lecture, mais alors avec les petites boîtes là, de l'architecte, jusqu'au plat... Non, mais c'est pas là, dans la maison. Ah, pardon. D'accord, oui. Qui les couillons, c'est pas possible. C'est pas vrai, mais tu me dis, regarde en haut. Je regarde en haut. Regarde là. Et voilà. Et rien. T'as plus de réflexe là-dedans. Non, mais plus rien. C'est là, ça me semble. Ah ouais. Pièce de vie de la maison. Alors, névralgique. Petite précision, il y a trois escaliers quand même dans cette pièce. Un, tu descends en buanderie, chambre d'ado. C'est ça. Espace nuit. Espace nuit, et là. Espace nuit. Espace nuit, mais. Par le même. Tu passes par là, moi je passe par les enfants et toi tu vas là-bas. Voilà, on y va. C'est sympa d'avoir deux accès séparés pour rejoindre l'espace nuit. Une pour les enfants, une pour les parents. Pas de jaloux. Bruno, oh mon Bruno. Pourquoi es-tu Bruno? Renie ton père. Mais vire ton nom. Mais quoi? T'as craqué ta gueule ou quoi? C'est le balcon, ça m'a donné. T'as viré ta cutie ou qu'est-ce que t'as fait? Non, arrête, non, pas du tout. Je vais raser les murs maintenant. Hein. Attends, je passe une petite jupette la mignonne que j'ai vue, j'arrive, je te rejoins. Allez, du Shakespeare dans Enquête d'appart. Vous me direz, au point où on en est, pourquoi pas. Hein. Ah oui, effectivement, le matériau principal est prononcé. Il avait eu un prix de gros, le gars. Moi, j'ai pris un des escaliers du séjour pour et monter. Moi, l'autre. Voilà. Ouais. Et moi, je suis arrivé dans une belle chambre. Ouais. Avec sa salle de bain. Ouais. Et... terrasse. Oui, parce qu'elle est séparée, cette chambre, ouais, c'est ça. Des deux autres chambres de l'étage. Ouais. Et alors, à cet étage, il y a quand même une salle de bain mirifique. Ouais, sympa. Oh, mirifique. Non, écoute, il y a du parquet, les lavabos, tout ça, c'est très bien. Ouais. Et une grande baignoire. Ouais. Je te rappelle, quand même, qu'on a pris un bain ensemble là-dedans. Exactement. Et donc, hein, quand même, il y a de la place pour deux. Bah, moi, j'ai vu deux, trois bulles, quand même. Alors c'est que vrai. La baignoire n'est pas prévue pour ça. Et pourtant, donc je ne sais pas qui. C'est une balnéothérapie, ça s'appelle. Ouais, naturel. Tiens, on prend les escaliers en bambou, là. Au dernier étage, dressing, bureau ou chambre et une suite parentale très lumineuse. La petite porte japonaise, c'est mon petit dada, c'est mon kiff. Celle-là, elle va pas te plaire. Hein. Elle est trop petite. Eh ben voilà. Ah tu ouais. Te sens pas mieux? Si. Voilà. Ah si, dis donc, t'as raison. C'est vrai, hein. Un petit... Ah, j'ai un sentiment de puissance. C'est ça, hein. Oh, je suis puissant, là. Hein. Très puissant. Alors, cette maison, elle a une particularité, c'est que les espaces ont été exploités. À 100%. Le sous-sol,
C'est exploité avec une petite chambre. Oui, on peut mettre la jeune fille au père. Ouais, ou, hein, ou le jeune garçon à la mère. Oui, c'est le masculin, ça marche, on est d'accord, ok. Et donc... jusqu'à la toiture. Et après, effectivement, les propriétaires actuels ont fait une élévation, carrément, ce qui fait un deuxième étage de vie. Attention, vraie hauteur sous plafond, un truc... Exactement, ça marche avec bien. Une salle de bain. Ouais. Un bureau dressing, moi, je vois un dressing avec la porte coulissante, comme vous l'avez vu. Ouais. Et une chambre. Avec la terrasse, comme ça. Leonardo DiCaprio, comme moi, je l'ai appelé. Ouais. Je l'ai appelé la terrasse Leonardo. C'est vrai que le package de cette semaine est très très sympa quand même. Jolie maison rénovée, jardin, commune sympa. Il n'y a pas à dire, vous avez le coup quand même. Hein. Écoute, on a une très très belle maison familiale. Combien d'étoiles ? Ah bah là, 4 étoiles et demie, hein, maintenant. C'est, ah tiens, ça... Ça a changé. Enfin, toi, tu m'as dit tout à l'heure... Moi, je suis plus parti pour le 5, je te le dis. Alors, tu m'as dit, c'est une des plus belles maisons qu'on a eues dans l'émission. Ouais, je fais claquer le 5. Bon, d'accord. Allez, 5 étoiles. 5 étoiles. Puis ça leur fait plaisir. Sur combien ? Sur 5, ça leur fait plaisir. 5 sur 5 ? Ouais. Il faut appeler, alors. Voilà. Là, on est dans le 5 étoiles, là, il faut... Voilà. Je suis d'accord avec Olivier. Mis à part ce petit matériau un peu prononcé, ça vaut clairement un 5 étoiles. Tout y est. Maison de 8 pièces de 175 mètres carrés à 5 minutes du centre-ville. 5 chambres, des grands volumes. Un terrain de 420 mètres carrés. Et en prime, une chambre en sous-sol pour un ado ou la jeune fille au père. Vous voulez visiter ? Vous avez une exclue à nous proposer ? Contactez-nous au 01 82 88 12 75 ou sur le site enquêtedappart.com. Enquête d'appart, c'est encore plus d'exclusivité chaque semaine grâce à notre séquence coup de cœur. Métro Convention, dans le 15e arrondissement, Caroline Loger nous présente une maison familiale entièrement rénovée. 5 chambres, terrasse de près de 30 mètres carrés au dernier étage, au calme, dans une rue piétonne, proche de toutes les commodités. Alors là, tu vois, c'est pour ça que j'aime cette émission. Ouais. On est dans le cadeau, là. Oh, oui. 290 mètres carrés, une maison dans une rue piétonne, 9 pièces. C'est pas vrai. Une terrasse de 30 mètres carrés. Non, c'est énorme. Mais c'est trop. À convention. Mais c'est trop. Une rue piétonne calme, over. Mais merci beaucoup. Mais c'est beaucoup trop. Je ne vendais pas tout ça. Moi, j'étais... Non, je parlais de cadeaux. Sans figurer pour toi. Toi, t'as le droit à rien. Toi, c'est eux qui... Ah. C'est pour eux, le cadeau. Ah non, c'est pour eux, en fait. Ah bah... Oh, le pansement. Bah, ça me fait déjà plaisir, quand même. Si vous aussi, vous avez une bonne affaire à nous proposer, n'hésitez pas à nous appeler 24 heures sur 24 au numéro unique de l'émission. Oh bah dis donc, c'est fini. C'est la fin, là. Je suis triste, oui. C'est la fin, là. Ben, ça sent. On n'a plus rien à faire. Bah, tu veux faire un petit plouf, il reste ça, peut-être. D'accord. Est-ce que tu crois quand même qu'on rappelle aux gens comment on fait pour acheter les appartements exclusifs et les maisons exclusives ? Oui, oui, ça les intéresse. Comment on fait ? Alors, 01 82 88 12 75, ça ne sert pas à bouger. Ça, c'est la conciergerie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les amis. Vous pouvez avoir des petits bonus, on le dit, parce qu'on le dit jamais. Oui. Mais sur la fanpage de Facebook, on met tout un tas de petits trucs que vous ne voyez pas à la télé. Des lives, des tournages, faut juste comme dire, ça. Parfois, il faut le dire, j'aime. Oui, c'est ça. Ne serait-ce que pour sa mère, c'est elle qui compte. Oui, c'est ça, c'est vrai, c'est elle. Oui, quand même. Donc, c'est vraiment la fin, là. Ah ouais, c'est l'enfant. Donc on n'a plus rien à tourner. On n'a plus rien à tourner. Oh non, fais chier, putain. Eh, l'immobilier, c'est important, c'est pas grave. Par contre, toi, tu vas être grave, toi, je te le dis direct. C'est qui, lui ? Tu sais, c'est un merlu. Merlu, mec, il a dit c'est un merlu. T'es pas content de la campagne présidentielle, toi, hein ? Hein, t'es pas content de ce qui se passe, hein ? Voilà, t'inquiète pas, c'est juste c'est Fillon qui passe, t'inquiète pas. Non, c'est Macron, c'est Macron. C'est pas Fillon. Mélenchon. Vous êtes pour Mélenchon. Mélenchon. Pourquoi la révolution ? La révolution. Alors maintenant, t'as tout dit ce que tu voulais ? Parce que j'avais quelques questions à te poser, mais j'ai pas eu le temps. Vas-y, parce que comme tu parles beaucoup. Ah bah merde. Donc, j'écoute. Hein, parce que là, rigolez pas, monsieur derrière le. J'étais obligé de. Et voilà. Ah bah voilà. Alors tous les. Allez-moi-ci. Alors après, et le midi, alors qu'est-ce qu'on fait ? Alors le midi, on prépare à manger pour les enfants ? Non, par contre, ce qui est. Il y a vraiment des tu cantines. Il y a des enfants ? Ah ! Les réseaux sociaux ? Oui, toujours pareil. Facebook, Twitter, YouTube. Tout porn. You machin. Alors. Ça a ni queue ni tête, votre truc, franchement. Vous n'allez pas passer tout ça ? Bah non, pas tout.